نعود بكم من جديد في استوديو مانا ساكتين استوديو راديو ام vous pouvez nous appeler au 021 78 24 45 021 78 24 45 للمشاركة في سؤال اليوم est-ce que vous êtes pour ou contre les saisons blanches que ce soit en scolarité ou en sport dites-nous ce que vous en pensez avant de prendre on prend un autre appel second call of the day. Allô, allô. Allô. Allô, sabah al-khair. Bonjour, sabah al-khair, wa salakoum. Bonjour, Rilas, notre ami Rilas, comment tu vas? Alhamdoulilah. Je vais essayer de garder le sérieux parce que Rilas, c'est mon ami. He's my best friend, basically. Basically. Ça va, Smitch? Alhamdoulilah, ça va super. Ça fait plaisir de t'avoir. Ça fait plaisir de te parler aussi. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Lyon, ma sujet Tana Rilas, c'est les années blanches, hein, que ce soit en scolarité ou en sport. Mais à toi, on va poser la question concernant le côté sportif, puisque tu es un grand sportif, tu as eu une carrière en football, tu as fini en beauté W Maya. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'année sportive, footballistique, bien sûr, hein. D'abord, je vais dire quelque chose, c'est que je ne pense pas qu'on doit mettre sur le même pied d'égalité la scolarité et le football. Okay. Deux choses qui n'ont pas, à mon sens, le même niveau d'importance. D'accord. Donc, faire une année blanche en termes de scolarité, décaler le cursus scolaire et universitaire qu'a gagné les jeunes Algériens d'une année... C'est quelque chose qui est beaucoup plus conséquent à mon sens que de mettre un terme au championnat algérien de football. D'accord, ça c'est mon. Donc pour revenir au foot, pour être honnête, je suis un supporter de le Mouloudia d'Alger. Oui. Et Mouloudia d'Alger, on me classe deuxième championnat à 3 points du leader. Il reste, je pense, 10 journées de championnat. Oui. Donc on a concrètement toute notre chance, mathématiquement, de finir champion d'Algérie à l'AM. On a l'équipe de Haba, Mouloudia d'Alger. Alors que s'il y a une fin de saison prématurée, machine to mat Doha. C'est sûr, machine to mat Doha. Bon, le plus gros pénalisé dans cette histoire, ça sera CRB. CRB, c'est un grand club algérien. Boulankaron, même si je ne suis pas un fan de CRB. Et CRB n'a pas gagné le championnat depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Oui. Voire plus. Et voilà, l'âme en premier joue pour le championnat. Donc ça serait vraiment injuste pour le CRB. Mais malgré tout ça, honnêtement, hein, honnêtement, vu ce que produit, je vais dire les choses comme je les pense, je suis désolé. Vu ce que produit le football algérien comme médiocrité sur le terrain, oui. Vu ce qu'il produit comme mauvaise gouvernance dans la gestion du club, et vu ce qu'il produit comme violence, notamment les tribunes, notamment voilà, comment faire respecter les règles d'hygiène. Bon, même si ça reprend, c'est clair qu'il faut que ça reprenne à huis clos. Oui. Dit déjà, c'est une. Adim Falor Menha. Même si le championnat doit reprendre. Mais quand j'étais supporter du stade pour des raisons de santé publique claires, parce qu'on ne peut pas faire respect. Mais même partout dans le monde, là où ils parlent de faire reprendre le championnat, ils parlent de le faire reprendre à huis clos. Donc, c'est la première des choses. C'est dommage parce que le football sans les fans, c'est pas vraiment du football. C'est ce qui fait la beauté du jeu, c'est avoir des stades pleins, avoir des supporters qui chantent, avoir de la passion sur chaque action. Mais franchement, je vois pas l'intérêt de prendre le risque de finir le championnat algérien à l'âme. On a essayé d'aller aussi sur le live Facebook avec un alash. On a une bataille à Aslan. Au cours de la prochaine, il faut qu'ils aient la même chose. Bon, c'est une position radicale. C'est radical, oui. Je voulais faire le Qaddafi au championnat libyen. Il faut aller faire le chef match du championnat libyen. Mais je peux. Alors, on a fait ça 5 ans. Je suis allé à la bonne heure de retourner au bataille à c'est un peu radical. C'est très radical. Non, mais quand je habite comme ça, mais franchement, à la saison, vu le manque de moyens de l'État pour faire face à la crise sanitaire, vu tout ce qui se passe et tout, on n'a pas besoin de dire on a le problème de l'accord de l'Qadam. On donne notre contrôle, on habite sur le bateau là. Après, voilà. Après, le l'enjeu c'est qui fait dire pour déterminer est-ce qu'il y aura un champion. Ou là, tu n'attribues pas de championnat à l'âme. Tu prends juste le classement qui est maraho. Ou les équipes l'Oulin est qualifiée pour les compétitions un peu africaines, ou les équipes l'Khalin est qualifiée, elles sont reléguées en deuxième division. Bon. Ben en France, il y a une petite disparité, qu'il faut, opter pour la solution la plus simple, qui est de ne pas reprendre. Ou Andena, par exemple, comment il s'appelle, Gérard Lopez, président de Lille, qui dit qu'il faut reprendre, mais finir très très vite, quoi. Donc, oui. Où est-ce que toi, tu te situes par rapport à ces deux propositions?
Écoute, je fais passer en priorité le côté sanitaire, Côté sanitaire, bien parce sûr. que avec une équipe de foot, on se rend pas compte, mais c'est pas 11 joueurs, c'est 22 joueurs. Quand on parle d'une équipe professionnelle, c'est un staff C'est un médical, c'est staff, un oui. staff technique, c'est un staff administratif. Hein? C'est tout le contraire d'un confinement, quoi. Exactement, c'est un staff logistique matériel. Donc déjà une équipe, un match de championnat, même si tu le reprends à huis clos, c'est à peu près 40-50 personnes par club. Hein? Oui. Donc déjà, les kif, il y a un risque de transmission. Les joueurs il y a du contact, il y a un risque de transmission d'une équipe à une autre. Tu peux te retrouver très vite avec un taux très élevé de contagion par le coronavirus entre les clubs de foot. Et tout ça, pourquoi, concrètement? C'est Pourquoi? vrai. Est-ce que c'est vraiment indispensable? Coquine Smaana, le président, enfin, la première ligue qui pense reprendre, quand on connaît tous les contrats de sponsoring, les droits TV qui sont payés, la Ligue des Champions, derrière, tu comprends que les organisateurs pensent à faire reprendre le championnat parce qu'il y a un enjeu financier énorme. Hein? Et Oui. en Algérie, la plupart des clubs sont subventionnés. Les droits TV sont ridicules, les tickets à stade, ils que les clubs. Donc mettre un terme au championnat, ça a moins d'impact, ça impacte moins les finances à les clubs algériens que mettre un terme au championnat algérien, ça impacte beaucoup moins les finances en termes de proportion, bien sûr, en termes de pourcentage, les finances à les clubs algériens que ça serait le cas en Angleterre ou là dans un championnat qui se respecte, qui est bien structuré, qui est autonome, indépendant financièrement. Hein? Donc ce que tu dis, c'est que si on pesait le pour et le contre, il n'y aurait même pas d'équivoque, le calcul serait très vite fait, quoi. Je pense que oui, je pense que vu la situation d'Algérie, vu la situation du championnat au football, la réalité du championnat du football algérien, je pense qu'on n'a absolument rien à perdre, mais vraiment rien à perdre concrètement en arrêtant le championnat et en se concentrant sur les vraies choses importantes qui sont la santé publique et l'économie. Comment relancer la machine économique d'Al-Blad après la crise? Donc pour moi, c'est la question se pose même pour l'Algérie. D'autant plus que depuis le début du mois de Ramadan, on constate un 841 cas positifs de plus 37 Bien décès, sûr, bien sûr. ce qui y a eu un petit relâchement, ce qui fait une moyenne de plus de 100 nouveaux cas par jour, ce qui est énorme, quoi. Ouais. D'ailleurs, quand on sort, on le remarque, les gens, certains réagissent comme si la crise déjà, ils C'est ont vrai. repris un comportement, une activité normale, alors qu'il y a toujours le virus, mais jamais en circulation. C'est vrai. J'ai profité de ta présence, Rilas, vu que tu es un petit génie de l'économie. Est-ce que tu peux nous en toucher deux petits mots ou là, nous dire un peu quel est potentiellement le devenir de cette crise énergétique? Est-ce que tu peux Écoute, nous éclairer un peu? Anna, j'ai une opinion très, très, très pessimiste par rapport à la capacité de l'économie algérienne à se sortir de cette crise. Parce que le semestre 2021, 2022, les prix, je ne sais pas comment il fait ça. Je ne sais pas comment il peut savoir ça. Écoute, sauf la loi de finances 2020, sauf l'Algérie fait des déficits entre 10 et 25 milliards de dollars par an depuis la baisse des prix du pétrole en 2014. Ok. Le déficit budgétaire, on l'a couvert soit par le fonds de régulation des recettes Oui. qu'on a épuisé, c'était un fonds de soutien, de secours De canadien, sauvegarde, oui. la balance commerciale, le déficit, les échanges exportation-importation, on a épuisé les réserves de change, bon, elles ont baissé significativement, et on a même eu recours à l'impression monétaire pour couvrir le déficit interne. Oui, Donc ça fait des la planche à années billets. qu'on a une réserve, pour couvrir des déficits. Donc la situation avant la crise, le corona, la baisse du prix du pétrole, elle était chaotique. Maintenant, depuis que la crise a commencé, elle a touché, c'est une crise qui est très, très vicieuse sur l'économie, parce qu'elle a touché les deux principales ressources financières à l'État algérien, qui sont la fiscalité pétrolière, Oui, les devises, quoi, la seule rentrée de la devises. fiscalité pétrolière, et on a la fiscalité ordinaire, tout ce qui est TVA, IRG, IBS, etc. Vu les entreprises au salaire, c'est clair que l'État va collecter moins d'impôts à l'AM. Oui. Donc on a d'un côté, déjà tout ça pour revenir à la loi de finances 2020, la loi de finances 2020 tablée sur un déficit d'à peu près 18 milliards de dollars, avec un pétrole à 55 dollars le baril. Oui. Ou les 50 dollars, je ne suis pas sûr. Donc imagine, avec un pétrole à 15 dollars le baril et moins de fiscalité, moins de revenus pour l'État,
شحال راح يكون الديفيسيت هذا العام؟ شحال شحال بلوتو شحال هنشدو؟ يقول لك عن لي 60 مليار دو دولار دو ريزيرف دو شونج ديجا زون دو ديمينوي دوكا وراح يزيدوا يقعدوا غير ينقصوا ينقصوا جوسكا كون بو تونير اكزاكتومون. دونك كاين لا سوليسيون كومون لي انا فوالا اون ريسك دافوار هاد العام ان ديفيسيت تاع 50 60 مليار دو دولار. كومون تي بو كوفرير ان ديفيسيت باي لاي؟ Donc c'est... Et comment on peut prévoir surtout la remontée des prix du pétrole alors que c'est intrinsèquement lié à la crise sanitaire? Non, mais on a Arkab, ministre d'Akhor, le prix du pétrole va augmenter. Ça fait deux mois que le prix du pétrole va augmenter, le prix du pétrole va augmenter, mais il va augmenter. Donc on ne peut pas se baser sur un facteur, une seule variable exogène. Pour parler d'une économie, pour avoir une économie. Donc voilà, la situation, c'est le déficit. Le vrai problème technique, c'est que l'Algérie avait sûrement l'intention de s'appuyer sur la dette externe, les partenaires d'Azaïr et Aounoua financièrement, directement. Donc on ne peut plus le faire, vu que Rabahna l'aïb chez l'ONU ou Galé. C'est pas que Rabahna l'aïb chez l'ONU, c'est qu'avec la crise sanitaire, la situation économique de nos partenaires techniques, ils sont en situation difficile. Donc, je sais pas si un pays allait nous contribuer, allait donner une certaine somme à l'Algérie pour aider. Là, ils seront pas en mesure de donner la somme, ils devront donner moins. Franchement, c'est un vrai dilemme. Parce que d'abord, il y a un problème d'argent, de liquidité, pour couvrir les besoins. Bon, ils ont alors, les dépenses, mais on va rester sur un déficit budgétaire historique. L'année 2020 sera l'année d'un déficit budgétaire historique. Comment couvrir ce déficit? C'est un autre sujet. Il faut qu'on coupe court à cette communication. Merci beaucoup, mon cher ami, pour l'état d'achoul ta'ak. Juste pour revenir un petit peu rapidement, le football, le spectacle, le plaisir, le football en Algérie, c'est les supporters en tribune. Même s'il y a un peu de violence dans certains stades, mais c'est eux qui créent le spectacle. Bien sûr, les tifs ou tamouloudi, lui, à ce moment-là. Le championnat algérien, avec les joueurs, sans les supporters, merci beaucoup, Rila. صحتك الصحة خويا وصحة فطورك. شكرا.